Yallé bro, c'est Toto Insport, j'espère que vous allez bien, personnellement moi ça va. On se retrouve pour un tuto, et je sais, vous êtes énormément de l'avoir demandé ce tuto. C'est le tuto comment bien débuter la musculation, enfin plus précisément la musculation, mais on va commencer avec comment bien débuter la musculation. Donc voilà, je vais vous donner mes conseils. Donc c'est pas des conseils de professionnels hein, parce que moi certes je fais de la musculation mais ça fait pas non plus 25 ans que j'en fais. Donc voilà, moi aussi ça m'arrive encore de faire des erreurs. Donc voilà. Après c'est des conseils que j'ai observé moi-même. Hein, c'est aussi des conseils qui m'ont été dit, mais c'est pas des conseils que je peux aller chercher sur internet ni autre. Donc voilà. J'espère surtout que vous allez les prendre en compte et que vous allez quitter cette vidéo les amis. Et c'est parti pour le conseil numéro 1. Le conseil numéro 1, et pour moi il est primordial quand on va à la musculation, c'est de se fixer des objectifs. Quand je parle de fixer des objectifs, c'est mais des petits objectifs, c'est-à-dire pas arriver le premier jour à la salle et dire ça, bon, ça y est, j'ai soulevé 90 kilos. Non, tu vas pas soulever 90 kg, tu vas surtout te casser les vertèbres et te casser tous les os et après tu pourras plus rien faire. Donc voilà, quand je dis petit objectif, c'est par exemple, là je vais aller à la salle, je vais faire, je sais pas, 4 séries de 6 et après je ferai, la prochaine séance, je ferai 4 séries de 10. Voilà, c'est des petits objectifs. Faut monter en allant, si tu te mets des gros objectifs directs, tu vas rien faire. Donc voilà. Ensuite, deuxième conseil, et celui-là c'est le conseil que tout le monde donne, c'est d'avoir un programme. Et quand je dis programme, c'est un programme structuré. C'est-à-dire, moi par exemple, personnellement, je sais que le lundi, quand je vais à la salle, je travaille les jambes. Et ben, je vais travailler les jambes, je vais pas travailler les trapèzes. Ben, sinon, ça n'a aucun rapport. Donc voilà. Il faut se fixer un programme. Le conseil que je donne moi c'est de demander aux coachs quand ils sont à votre salle où vous allez, hein, donc des compagnons de boutique, Orange Fitness, etc. Bref, il y a plein de coachs, des millions de coachs là-bas, donc n'hésitez pas à leur demander, par contre ils sont là pour ça, c'est leur métier. Après c'est bien de se faire un programme personnalisé. Mais des fois le programme en fait il va pas avec nos objectifs. Moi je sais qu'à un moment je voulais faire une masse sèche et j'étais plus parti sur un programme de masse musculaire. Donc mon programme n'allait pas avec mon objectif. Voilà. Aussi justement pour en revenir là-dessus. Moi je pense, enfin personnellement, après moi je sais pas, il y a des gens qui préfèrent débuter par là, mais moi personnellement je débute par une masse musculaire. Quand on parle de masse musculaire, pour ceux qui connaissent pas, qui veulent débuter, c'est en gros s'engraisser, donc prendre de la graisse et cette graisse après la transformer en muscle, c'est-à-dire pour être plus baraqué. Après il y en a qui commencent par la masse sèche directe, c'est-à-dire moins de graisse mais des muscles bien dessinés. Donc voilà, mais moi mon conseil ça serait de commencer par une masse musculaire. Ensuite, quatrième conseil du coup, c'est aussi de faire pour moi hein, essentiellement du poids au corps. Que ça soit à la salle ou à la maison, mais essentiellement à la maison, parce que qui dit vraiment musculation c'est complet, c'est à dire je vais pas à la salle et à la maison je fais rien, non, faut faire aussi à la maison et à la salle. Après si vous achetez du matériel musculation maison c'est bien, mais pas trop, parce que après sinon ça sert à plus aller à la salle. Quand je dis pas trop c'est par exemple acheter 2-3 haltères, un banc d'abdos, et ouais essentiellement un banc d'abdos, peut-être une barre de traction. Et voilà, c'est tout. Faut pas se lancer dans des machines à 240, à 600 €, t'as rien à voir. Sinon, mec, bah, enlève ton abonnement à la salle et vois tout. Donc voilà. Après, comme à la salle, faut avoir un programme structuré quand vous faites des exercices à la maison.
C'est-à-dire, après, ce qui est essentiellement bien avec le programme à la maison, c'est qu'on peut travailler de tout. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit avant, moi, je sais que par exemple, le lundi, je travaille les jambes à la salle, mais rien m'empêche, quand je suis chez moi, par exemple, le lundi soir, je vais travailler les abdos, je vais travailler les bras, je vais travailler les biceps. Voilà, c'est-à-dire que l'exercice à la maison, c'est complémentaire. C'est-à-dire qu'on peut travailler de tout et on n'est pas obligé de structurer, se focaliser sur une partie du corps. Donc c'est-à-dire que votre séance elle peut commencer, je sais pas, par des pompes, après vous pouvez faire des squats, faire des abdos et ensuite faire des tractions. C'est voilà, attendre que vous bossez vos muscles, tout est bon. Ensuite aussi, un autre conseil que je peux vous donner, c'est de vous fixer des horaires. Parce que par exemple si vous allez à lundi à 17h et vous allez le mardi à 13h, vos muscles vont pas avoir nécessairement le temps de reposer. Même si vous ne prenez pas les mêmes muscles, vous allez avoir des horaires fixes. Moi, je sais personnellement que mes séances sont fixées entre 17h et 18h. Je ne vais pas faire des séances à 14h ou à 21h. Non. Si ta séance est à 17h ou 18h, ta séance est à 17h ou 18h. Il n'y a pas de retour là. Voilà. Ensuite, aussi, les séances. Faut pas faire des séances de 10 minutes, sinon tu travailles rien, voilà. Ces séances doivent être vraiment intensives, c'est-à-dire pour moi je sais que personnellement je fais des séances de 3 quarts d'heure, minimum, maximum 1h30. Donc que ça soit à la salle comme à la maison. Donc voilà, pour que tes muscles puissent vraiment travailler. Alors ensuite, aussi on m'a beaucoup dit, oui mais est-ce que c'est normal quand je fais les exercices après j'ai mal? Alors oui et non. Alors oui, essentiellement oui, car surtout quand on travaille les abdos, hein, parce que nécessairement on m'a dit que nécessairement vous êtes beaucoup à me dire que c'est quand vous faites les abdos vous avez mal, c'est parce que vos abdos travaillent. Donc voilà. Donc forcément vous avez mal. Surtout quand ils sont mal, donc vous avez mal. Voilà. Ensuite, ça peut être aussi cause de douleur musculaire, de être trop forcé sur ce muscle et forcément vous avez mal. Donc voilà, laissez l'enchaînement parce que votre muscle travaille. C'est pas... Donc je dis ça hein, parce que après on va dire que ah si j'ai mal, c'est parce que j'ai une douleur musculaire, non pas forcément, parce que ton muscle travaille. Donc voilà. Ensuite, si je peux donner un autre conseil, enfin, personnellement, pour moi, là, enfin, je peux, mais c'est vraiment mieux de travailler en groupe, on dit en groupe et avec des amis qui sont aussi passés les muscles à fond. Parce que forcément, j'aurai de la motivation, j'aurai de la concurrence, ça va être une petite compétition, ça va être drôle, mais faut se concentrer aussi sur le jeu, la musculation. Donc c'est drôle, mais faut pas oublier pourquoi vous faites ça, c'est-à-dire la musculation. Donc voilà. Alors après, je vais m'adresser nécessairement aux gars. Les gars, je sais que la plupart du temps, ceux qui vont à la musculation, c'est pour avoir avoir des muscles, la chasser des guerres, faire beau gosse et tout, etc. Je vais être clair avec vous. Alors oui, nécessairement, quand tu vas à la musculation, c'est pour avoir des bonus, pour plaire aux filles, etc. Voilà, après, je vais être clair avec vous. Ne vous lancez pas dans des projets fous. Moi je sais, j'ai déjà vu des mecs à la salle, ça faisait 2 semaines qu'ils étaient là, ils ont dit ouais moi je vais devenir bodybuilder, c'est bien, t'as un objectif, c'est bien, mais concrétise-le, c'est-à-dire va pas trop vite. Donc voilà. Ensuite, peut-être avant dernier conseil que je peux donner, c'est justement pour revenir au bodybuilder. Alors certes, franchement, ils font des trucs et fort phénoménal, mais attention, attention, car il y en a qui trichent forcément, hein, ben, comme dans tout sport. Voilà, j'ai envie de dire, si vous allez à la musculation, développez vos muscles naturellement, prenez pas des stéroïdes, etc. Sinon, ben, ça sert à rien, achetez-toi, puis voilà. Hein, parce que c'est facile d'avoir des gros muscles, mais encore faut-il y travailler, parce que sinon, ben, tout le monde reste chez soi et prend des piqûres et puis voilà, on est comme ça. Ah bon, voilà. Alors je vais m'adresser à la communauté féminine. Alors je sais que vous êtes beaucoup à me dire
J'ai peur de me lancer parce que je sais pas si on va me juger parce que je suis une femme, je sais pas, j'ai peur de qu'on me juge. Alors stop! Les clichés c'est fini. Quand tu vas à la salle, que tu sois une fille ou un gars, qui est juste, qui doit être dans ta tête, c'est concentration, motivation, détermination. C'est tout ça, que les autres te regardent, te jugent, tu t'en fous complet. Tu dois juste te dire, moi je suis là et je vais faire ça. C'est tout. Après, que les autres te disent, ah t'es mal ça, ah t'es mal ça. Tu t'en carres les cacahuètes. Quand on va à la musculation, c'est pour nous personnellement. En partie, après je sais que moi les gars vont me dire ouais non c'est pour t'aller rentrer. Ouais ok voilà, mais personnellement moi j'y vais c'est pour moi-même. C'est pas pour aller dire ah t'as vu j'ai les muscles, non. Certes, ça fait partie de ça, mais personnellement j'y vais pour moi-même. Donc voilà, comme je vais peut-être me répéter, hein, mais c'est pour que ça rentre vraiment bien dans vos têtes. Quand vous allez à la musculation, ne prenez pas de stéroïdes ou de piqûres d'injection, etc. Déjà, contrairement à la musculation, alors il y en a qui me disent oui, mais à la musculation, on peut se blesser. Oui, tu vas te blesser, tu vas te blesser. Il n'y a pas de tu vas te blesser, c'est sûr. Parce qu'à un moment, c'est sûr que tu as peut-être trop porté sur un muscle, tu vas se blesser, c'est quasi certain. Moi-même, je me suis déjà blessé à la musculation, c'est déjà arrivé. Alors quand je dis blessé à la musculation, attention, hein, parce que je vais vraiment bien rentrer dans le terme, parce que même, waouh, c'est blessé. Quand je dis blessé à la musculation, c'est pas genre j'ai une barre qui est tombée sur moi ou quoi, c'est grave, comme on peut voir dans les deux gags, etc. Non. Par exemple, j'ai fait un exercice, et après, j'ai commencé à avoir des douleurs, parce que, bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était une douleur musculaire. Donc voilà, pour en revenir au fait, à la musculation, quand tu développes tes muscles naturellement, certes, tu vas te blesser. Mais au moins ça va être naturel. Quand j'ai que avec des stéroïdes, bah, ça sert à rien. Je veux dire en fait, c'est les stéroïdes c'est quoi? C'est en gros tu bouges des chiffres, voilà, tu mets des piqûres et t'as des muscles à choisir de venir. Voilà, voilà, chip no in shape. Voilà. Et attention, hein, je vais être clair, quand je prends ces exemples de personnes là, je dis pas que eux prennent des stéroïdes, non, parce que après on va dire ouais bah pourquoi tu dis clean, ça veut dire que tu prends des stéroïdes, non. C'est juste que je prends ces exemples là parce que c'est les plus connus. Ben, plus connu parce que Chase Denegger forcément, hein, plus connu dans la musculation, et Chibu Enche parce que c'est la référence YouTube en fitness. Donc voilà. Ensuite, ce que j'ai pas. Voilà, j'ai plus vraiment de conseils à vous donner. C'est pas que j'ai plus d'idées, hein, mais ce a été et ce sont essentiellement dit. J'ai eu du mal. Donc voilà. Comme je disais, vaut mieux développer ses muscles naturellement que prendre des stéroïdes. Je sais, je me répète, hein, beaucoup me disent « Ouais, mais c'est chiant, tu te répètes. » Oui, mais au moins, ça rentre. Donc voilà. Après, si je peux donner d'autres conseils, si vous voulez d'autres conseils, n'hésitez pas à me m'en demander. Je ferai peut-être un autre tuto, voilà. Donc comme je vous l'ai dit dans mon live, la prochaine vidéo sort demain. Ça portera sur la boxe et les erreurs à ne pas faire quand on commence la boxe. Donc voilà, mais je ferai aussi des autres tutos sur la musculation, ne vous inquiétez pas. C'était Toto InSport les boys. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'était Toto InSport. Salut les boys.